Salut tout le monde, bah oui, déjà vendredi, le moment de regarder mon vlog de la semaine. Alors pour ne rien vous cacher, vous l'avez vu dans les quelques images ici maintenant et vous le voyez derrière moi, on est encore dans mon bureau, parce que la semaine a été un peu chargée de boulot puisque tout le monde commence à avoir ses congés. J'espère d'ailleurs que vous êtes en congé maintenant. Et donc ouais, pas évident de vous montrer des sujets particulièrement intéressants, mais je vous rassure, on est en train de se rattraper. On est jeudi, d'ici ce que vous regardiez le vlog vendredi, j'aurai des sujets à vous montrer. Le premier étant maintenant quelque chose au niveau matériel. Suiké, vous êtes beaucoup à en parler du vlog, parfois négativement, je sais que vous regardez encore, donc c'est très bien, mais aussi très positivement. Et plusieurs me demandaient avec quel matériel tout ceci était réalisé. Donc voilà, une petite minute un peu technique et technologique pour ceux que ça intéresse. Et je filme principalement avec deux appareils. Le premier sur lequel c'est en train de filmer maintenant et le deuxième qui est ici plus bas. Je vous rassure, je parle de mon iPhone. Effectivement, un iPhone avec une qualité maintenant de vidéo qui est dingue, monté sur un stabilisateur, comme vous pouvez voir, qui a l'avantage de stabiliser, calmer l'image pour avoir des vues qui soient beaucoup plus fluides et beaucoup plus intéressantes. Donc l'iPhone et le DJI Osmo Mobile. Et ici, où on est maintenant, vous voyez, c'est un Canon 80D, ici monté sur son trépied. Ça a l'avantage d'être un bon appareil photo que j'utilise quand on fait des prestations photo un peu comme récemment, je vous en ai parlé la semaine passée, mais également qui a l'avantage de faire de très belles vidéos et de posséder ce petit écran retour qui permet, vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est assez facile pour vlogger et avoir un retour sur ce qu'on est en train de faire. Voilà, ça c'est le matériel principal, Canon 80D, là-dessus c'est un 1855, pardon, qui a l'avantage d'être aussi stabilisé en interne et d'avoir une mise au point qui est à la fois rapide et silencieuse, qui est pratique pour la vidéo. Ici, stabilisation aussi qui vient de l'extérieur de l'iPhone, même si l'iPhone est stabilisé aussi, on a vraiment quelque chose d'assez sympa. Et puis alors, niveau matériel photo, ben évidemment d'autres objectifs qui peuvent servir eux aussi pour filmer. Alors, je parle pas du grand angle ici du 17-40, mais le 70-200 là, ici à 2.8 fait aussi des très très belles vidéos avec un beau flou arrière-plan qui peut être utile, je sais pas moi, pour des interviews ou des prises de vue un peu lointaines. Niveau montage sur l'ordinateur, je travaille avec Adobe Premiere Pro CC, voilà, qui est en train de se lancer ici. Ben, je charge le contenu du vlog hein, de la semaine passée. L'idée étant voilà, d'avoir un outil de montage un peu pratique qui permet de gérer à la fois. J'ai ici les images, les bandes son, la musique dans ce cas-ci, toute une série d'effets et autres qui sont appliqués. Voilà, donc un beau logiciel de montage que j'apprends à utiliser au fur et à mesure. Hein. C'est quand même pas super simple. Ah, t'as vraiment une bonne tête là-dessus. C'est pas super simple à utiliser, mais ça permet de faire du bon travail et la qualité des vlogs que vous voyez. Voilà, donc pour un petit topo du matériel que j'utilise, en essayant de faire des choses qui soient de la meilleure qualité possible pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres par rapport à ça, n'hésitez pas, un petit commentaire ici en dessous, sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous aiguiller si vous cherchez, niveau matériel, quelques informations. Pour la suite, je continue un peu à travailler, je vous emmène ce soir, je vais vous ramener en cuisine. Je sais que les premiers vlogs avec les burgers, ça vous a fait saliver plus d'un. Et vous savez que j'adore cuisiner, et donc ce soir, on va aussi passer un peu en cuisine. On va se faire une petite recette un peu sympa, et vous me direz ensuite si vous l'avez goûté, si vous l'avez essayé, et si ça vous plaît. Et bien là, pour le coup, vous allez me dire que ma cuisine a changé. C'est simple, journée de mais de du coup, entre deux accidents loupés, dont un vraiment grave à cause d'une qui me coupe la route, des problèmes de boulot, une réunion, une chaudière qui est en train de me lâcher, toujours génial avant Noël, j'ai tout lâché, toute la bouffe, etc. J'ai tout lâché dans le Deleuze, et du coup, on se fait un bon petit resto avec Cass, une bonne nuit de sommeil, et demain est un autre jour. Je sais, j'ai fini un tout petit peu vite la soirée hier, mais je vous avouerai que voilà, on a pris le temps de profiter un bon moment, un bon coup au resto au long du Biache aux Fontaines, hein, je vous conseille, chez Thierry Anne, vraiment très sympa. Voilà, comme je vous disais, fin de semaine un peu chargée, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de faire un vlog le samedi et pas le vendredi, mais voilà, c'était avant les congés, tous les clients qui demandaient pas mal de trucs, donc c'était un petit peu chaud, et le seul moment où on a pu un peu respirer, voilà, c'était donc ce jeudi soir. Je suis là, je suis en train de terminer notamment
des paquets pour Noël, parce que demain c'est Noël. Je m'occupe de ce vlog pour que vous voyez quand même pas trop tard ce samedi. Je vous souhaite déjà à tous un très joyeux Noël et des fêtes de fin d'année. Je pense que ça va être plus ou moins léger au boulot la semaine prochaine, vu que tout le monde a un congé, j'ai juste quelques projets en cours sur lesquels je bosse, donc j'aurai un peu plus de contenu pour vous, des contenus festifs, des contenus un peu plus joyeux pour Noël. Donc je vous souhaite déjà à tous un très joyeux Noël et surtout, à très vite.